Un intrus sur le terrain? Ben non, c'est mon chum, M. Bolduc, qui est venu m'aider, puis mon père est ici aujourd'hui. Fait que c'est bien le fun, on travaille fort, mon père pisse ses arbres, puis là, faut que je le pointe pour être sûr qu'il met pas des flags, des UV d'Amérique sur toutes les arbres. Fait qu'il est 10 heures, on a commencé à travailler à 7 heures à matin, puis il y a déjà tout ça, le chemin de fête, avec un petit fossé, puis il est en train de creuser pour mettre les racines, tout ce qui est souche. Puis faites un bel ouvrage, m'attendez pas que ça, ben ouais. Il casse les grosses roches, il travaille bien. Bien, là, you bird. Ça va bien? Oui, ça va très, très, très bien. Bon. Très belle journée. Ça fait de la belle ouvrage, hein? Oui, la belle ouvrage, ça travaille bien. Ça va être ensuché. Oui, oui, c'est... Oui, you bird. Ça travaille fort, ça. T'es monté de la Gaspésie, m'aider. Ah. Un athlète de Capozo aussi. Ah ben ouais. Souris! Hein? Oh, souris! Souris! Et Hubert est en train de mesurer mon bois. On va voir combien de cordes de bois que j'ai. En compte, la source va être ici. Pas celle-là. Et encore? Ah ouais.
ici le pied de surface. Et ça, c'est Danny qui nous fait croire qu'il travaille, mais en fait, quand il travaille, tout ce qu'il fait, c'est qu'il ah. s'accroche à une machine et il se fait traîner. Il a fait ça toute la journée. Non, c'est pas trop ce qu'ils font. Et... Ah. C'est en train d'attraper un arbre. C'est de la terre. Son champ de collection. Ah, monsieur Hubert, oui, oui, oui. Belle journée. Très belle journée. La ouais. deuxième belle journée du mois de septembre. Ah. Ouais. C'est une chance parce qu'on arrive sur la fin. Hein. Super. On est dans la boîte. Ouais. On est bien, on est heureux. On est plein de boîtes. Et aujourd'hui, ça a avancé jusque là-bas. Et là-bas au fond, là où il y a la pelleteuse, là, un jour, oh oui, il y aura une belle maison avec des enfants qui joueront comme leur père accroché à un gros tractopelle. Bonne semaine. Cette semaine à découverte, la pelle ou pipine caterpillar. Dans son environnement naturel, la pelle caterpillar se nourrit principalement de souches arrachées à la sauvette et de quelques pelletées croustillantes de pierres crunchy. Par sa grande générosité, la pelle caterpillar accueille volontairement et de façon tout à fait gratuite quelques individus à son bord. Elle est adaptée avec un siège et permet à des gens, grâce à ses grosses chenilles, de pouvoir se tenir proche d'elle et de pouvoir profiter de sa quiétude et de son ronronnement apaisant. Cette semaine, courez la chance de découvrir l'univers joyeux et ludique de la pelle mécanique Caterpillar. Bonne semaine.